Yo les gens, est-ce que ça farte? Pour les mecs, aujourd'hui on va directement tester les contrôle freak. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi, je vous mets juste à l'écran. Le lien est dans la description si vous voulez au cas où en acheter. Voilà, vous allez dans la description. Premier là Amazon, vous connaissez. Bref, pour ceux qui ne connaissent pas les gars, c'est des sur joysticks que tu mets sur les joysticks. Donc par exemple là, vous voyez, il y a ma... Vous voyez, il y a ma manette et on voit que j'ai mes joysticks normaux, ok. Et les contrôle freaks sont faits pour rehausser le joystick pour avoir plus de précision. Donc à ce qui paraît, c'est le meilleur accessoire pour avoir de la précision sur la manette. Donc je vais directement tester ça, je vais filmer avec mon téléphone l'unboxing de contrôle freak, voilà. Hop, alors ensuite, donc c'est parti. On va prendre directement le téléphone, je vais faire une vidéo. Donc là, les contrôle freaks, ça se présente comme ceci, ok. Donc ça va être un peu galère à une main. Normalement, j'espère que la caméra va pas trop flou. Mais j'y vais à la bourrin, hein, on s'en bat les couilles. Ok, donc il faut directement enlever ça. Voilà, on a ça. Donc ça se présente comme ça. Donc on peut voir que ici il y en a un qui est plutôt gros par rapport à l'autre. Là je le sors. Je crois que je l'ai cassé. Non, je l'ai pas cassé. Lui il est plutôt plus haut par rapport à l'autre. Et lui il est un peu plus bas, je crois. Si j'ai bien compris. Ok, donc moi ce que je vais tester, c'est j'ai essayé les deux. Et je vais vous dire ce que j'en pense, ok. Je vais vous dire qu'est-ce qui est le meilleur, etc. etc. Bref, on se retrouve directement en game. Je vais pas mettre la in-cam parce que c'est chiant à jouer avec. Mais je vais vous donner mes impressions, etc. Bref, on se retrouve directement en game. Bon les mecs, comme vous pouvez le voir, j'ai directement mis le contrôle free. Ok, ça fait pas le focus, mais regardez. Je l'ai directement mis. Ça me fait un très très gros joystick, ça me fait peur. Ah ok, ok, j'ai un petit problème, c'est que le joystick est beaucoup trop haut. Ouah, mais du coup ça baisse la sensi de fou. Non, je vous jure, attendez, je vais essayer le plus petit. Bon, il est tombé. Je vais essayer le plus petit, je vais vous dire ce que j'en le mets directement. Ok, donc là vous pouvez le voir, je l'ai mis. Bon, on voit pas très bien la caméra. Ok. Eh, hey, la vie de ma mère. Wow, je suis choqué là. Attendez, vous avez vu comment c'est bien? Après les gars, moi je vous dis, moi j'ai l'habitude de jouer avec les accessoires pour manette, etc. J'ai l'habitude de jouer avec une manette. Ça va faire 12 ans que je joue avec une manette sur tous les jeux vidéo. Donc forcément je suis plus habitué aux manettes qu'autre chose que au CS. Et même ça fait 12 ans que je joue aux jeux vidéo, vous vous rendez compte ça. Donc forcément moi j'arrive à m'habituer vite aux accessoires. Mais si vous l'achetez, ne vous inquiétez pas si vous êtes nul dès le début, vous voyez ce que je veux dire. En vrai de vrai, même moi je suis pas habitué là. Je trouve que c'est une dinguerie en vrai. Ouais, faut s'y habituer. Vous voyez, je rate beaucoup d'édits en vrai. Ou des maps. Non, je vais aller en map piste contrôle, je trouve que c'est mieux. Rider piste contrôle. Bref les gars, transition rider. Eh, vous avez vu? Bon les gars, franchement, je trouve ça incroyable. Pour le moment, je trouve ça incroyable. Après, à voir en game normal, parce que j'ai pas fait de lame, forcément. Bon, du coup, les gars, vous connaissez mon spawn. Tilted. Bon, bah, tilted. Merde, le truc, il s'est enlevé. Il s'est enlevé, les gars. Peut-être je remets. Voilà, c'est bon. Je t'ai remis. Alors, bon, échauffement. C'est parti. Ça, les gars. Alors, je vais reprendre ça. Ok, premier mort. Deuxième mort. Incroyable, incroyable. On s'arrête plus les gars, on s'arrête plus. Il m'a volé mon kill, bâtard. Il me l'a volé les gars, il me l'a volé. Ok, ok, on a 5 kills les gars. Je vous jure, vous avez vu comment... J'ai l'impression que je m'améliore en piste contrôle. Surtout en piste contrôle, j'édite beaucoup mieux. Genre, au niveau de mes sensibilités, j'édite beaucoup mieux. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, mais c'est super bien je trouve. C'est vraiment incroyable. Oh, y'a un mec, j'ai vu un mec. Oh putain, les gars, je suis mort là. Non, bien joué. Dommage les gars, j'avais plus de shield en fait. J'ai spawn, j'ai direct push. Bon, les deuxième game. Ok les gars, on va directement à la Tilted Tower, c'est parti les mecs. Hop, bon les mecs, va à Tilted Tower. Les mecs, cette game, je vais pas mettre tous les moments, etc. Parce que c'est chiant les moments où je me loot, etc. Vous connaissez. Regardez, je l'ai enlevé sans faire exprès. Bon, du coup je vais le remettre. Ok, hop, ok, c'est bon, je l'ai remis. Donc on va directement aller à Tilted et je vais éviter de vous mettre tous les moments où je loot, etc. Parce que c'est chiant pour vous. De toute façon, je vous connais. Donc c'est parti, on se retrouve directement quand on fait un kill. Mais justement. Ici.
Ok, ça c'était beau ça, ça c'était magnifique, c'était clean. 95, putain dommage, pourquoi je l'ai pas mis 100 là, je l'ai mis sur sa tête les gars. Oh ça c'est beau, oh le bâtard. Le gars c'est la merde. Let's go! Vous avez vu en termes de pitch control, je gère mieux, mais là il me s'est encore à désirer, hein, c'est chaud. On va pas refaire la même erreur que tout à l'heure, on va essayer de prendre du shield d'entité avant de partir. On va aller en chercher. Parce que le shield en rechange, en vrai, c'est très important. On va le push, hein. Celle-là était belle. Elle était belle, celle-là, elle était belle. Ok, pas mal. J'ai une très bonne aim en fait. En fait, okay. Ok. Ok. Let's go! Let's go! Puis il y en aura sûrement encore qui vont me dire, parce qu'à chaque fois que je teste des trucs, genre des manettes, etc., tout le monde me dit ouais, t'es trop fort et tout, même avec une manette cassée et tout. C'est juste, bah, encore une fois, moi je m'habitue super bien au truc. Ouais, je m'habitue super bien au truc, du coup, c'est normal que je suis plus fort plus vite. Donc si vous avez pas le niveau que vous souhaitez direct, c'est normal, les gars. Bref, j'espère que vous comprendrez et que vous éviterez de marceler sur le fait que vous avez pas eu un niveau excellent dès le début, comme moi dans la vidéo, et que ce n'est pas un passant de produit. Ok, bon, je l'ai fumé sa mère, on termine. Elle m'a niqué. Voilà. Voilà. Oh la masterclass que je viens de faire les gars. La vie de ma mère. J'ai 3000 IQ. J'ai 3000 IQ. Je vous jure que j'ai 3000 IQ. Oh là là, je suis trop fort. Oh là là, je suis trop fort. Non, il m'a volé un kill, ce bâtard. Il m'a volé un kill, les gars. Non, j'ai le seum. J'ai le démon. Mon pauvre kill, les gars, j'ai le seum. Oh putain, oh lui il a l'air bon. Oh lui il a l'air fort. Oh ça va grailler des crombés. Ça graille des crombés fort là. Bon bah, il était fort mais bon, il est mort en 2 secondes. Dommage, je peux pas faire la 20 kills, les gars, mais au moins je vous proposerai une bonne game. Mais par contre, s'il y a quelqu'un, bah, pas à se cacher comme ça, les gars. On va essayer de le clip. Je veux pas, hein. Ok, bon, lui, on va pas le play, on va pas le clip, mais le prochain clip. On m'a tiré dessus, par où? L'aimbot! Aimbot! Aimbot! What the fuck? Eh, c'est bon, eh, je vous jure, les gens comme ça,
Je vous jure, ça m'énerve. Bon voilà les mecs, c'est la fin de la vidéo les gars, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter aimbot dans les commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Comme ça, ça vous montre que vous êtes resté jusqu'à la fin. Et pour ces petits contrôles fric là, moi sincèrement, attendez, je vous mets la grosse cam. Sincèrement, moi je vous dis, c'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable. Ça fait de l'aim de fou, ça. Ça aide vraiment, moi je trouve que au niveau des construits, du piste contrôle et tout, ça aide vraiment. Donc franchement, pour moi, c'est un des meilleurs accessoires pour jouer à Fortnite, sincèrement. Mais voilà, je mets la petite note de 9 sur 10 parce que c'est dur. Le temps d'adaptation est plutôt long. Et puis c'est tout, hein. Je vous souhaite. N'hésitez pas à mettre mon code créateur et vous follow mes réseaux aussi, si vous voulez.